Lire, c'est à moi que vous les avez faites. Jésus n'avait appelé aucun païen frère jusqu'après la croix. Ce qui est dit ici était avant la croix, alors il s'adressait à ses frères juifs, à la famille juive, la race choisie. Le peuple choisi. Pourquoi était-il choisi Je ne sais pas. Dieu reste Dieu. Avant la croix, nous étions, comme il est écrit par l'apôtre Paul, nous ne faisions pas partie des promesses d'Israël. Sachez cela. Nous ne faisions pas partie des promesses d'Israël. Oui, nous n'en faisions pas partie. Sans Dieu, sans espoir, et tout le monde était misérable avant la croix. Ephésiens 2, verset 12. Ephésiens 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde. Oui, nous étions étrangers. Les promesses que vous réclamez maintenant, les promesses d'Abraham m'appartiennent. Quand est-ce qu'elles sont devenues les vôtres après la croix Avant la croix, nous étions hors des promesses de Dieu, de l'alliance de Dieu. Tout ce que Dieu avait dit ne nous concernait pas jusqu'au temps où Christ avait été crucifié. Oui, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Les païens. Est-ce que ça a un sens Je ne continuerai pas si vous ne dites pas oui. Lisez une fois de plus pour une bonne compréhension. Nous discutons avec les juifs, nous discutons concernant Israël. Regardez, avant de dire quoi que ce soit, connaissez votre position devant Dieu. Demandez-vous, comment aviez-vous été connecté dans l'olivier C'était à la croix. C'est par là que vous étiez connecté dans cette famille. Vous n'étiez pas né dans cette famille. Non. Lisez. Ephésiens 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà. C'était à la croix que nous étions finalement connectés à l'Olivier. Romains chapitre 11, verset 17. Romains 11, verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, ce sont là les Juifs qui sont dispersés. Oui, continuez à lire. Et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier? C'est là que nous étions connectés. Quand? Les Juifs avaient endurci leur cœur. Ils ne voulaient pas croire. C'est alors que les païens avaient été connectés. Ils sont devenus partie de l'olivier. Et sachez que le temps viendra. La Bible dit que quand le nombre des païens voulus sera atteint, aucun païen ne sera plus sauvé. Alors ne soyez pas négligents avec la vie chrétienne. Arrêtez, vous n'êtes pas les originaires. N'importe quand Dieu peut tourner vers les originaires, ils lui appartiennent. Ils sont seulement têtus. Par exemple, si vous avez un enfant qui est têtu, vous le chassez et vous amenez un serviteur. Bien que vous avez chassé votre enfant, il est toujours votre enfant. Et quand il voudra revenir, il sera le bienvenu. Mais vous qui êtes serviteur, vous voulez devenir enfant de la maison. Vous pensez que vous êtes mieux que l'enfant qui a été chassé. Ça, c'est un problème. Vous ne savez même pas comment servir ce Père. Vous voulez seulement les bénédictions. Bénis-moi, 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 bénis-moi. Savez-vous comment l'adorer Pouvez-vous écouter sa voix Pouvez-vous savoir quand vous le déplaisez Qu'est-ce qu'il faut pour se réconcilier avec lui Ne vous empressez pas. C'était à la croix. Que nos péchés ont été pardonnés qu'ils avaient été enterrés on ne s'en souviendra plus à la croix vous chantez de ça mais vous ne comprenez pas ce que c'est jérémie 31 verset 34 jérémie 31 verset 34 celui ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. À la croix, c'était prophétisé par le prophète Jérémie, avant que ça arrive. Je ne me souviendrai plus de leur péché. Tout le monde est bienvenu. Au temps de la croix. Ne prenez pas cela à la légère. C'était à la croix que toutes nos maladies étaient guéries. Et nous avions reçu la bonne santé. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Esaïe 53, verset 5. Esaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'était à la croix que Jésus avait pris la pauvreté et nous avait donné la richesse d'Abraham. C'est par là que nous étions connectés. En ce moment, il n'y a plus de païens, plus de juifs. Mais le salut était pour les juifs. En ce temps-là, nous étions les bienvenus. La porte était ouverte. Les païens pouvaient maintenant entrer, mais vous ne pouvez pas les dépasser. Vous ne pouvez pas. Vous étiez dehors. On vous a juste permis d'entrer dans le palais. Sentez-vous à l'aise, entrez. Mais malheureusement, nous ne savons pas comment nous comporter. Dites à votre voisin. 1 Pierre 2, verset 10. Ce sont là les choses que nous ne connaissons pas. Vous savez, quand vous allez dans la synagogue des Juifs, c'est ce que vous vous appelez l'Église. Il n'y a pas de dispute entre eux. Mais ici, quand je dis que asseyez-vous, nous allons faire telle chose, vous avez votre propre opinion. Voilà pourquoi l'Église a une très faible organisation, alors que ça ne devait pas être le cas parce qu'elle est connectée à Dieu. Mais je ne sais pas si nous sommes vraiment connectés à Dieu. Lisez. 1 Pierre 2, verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Vous qui n'étiez pas un peuple, oui. Et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Voilà, dites à votre voisin, vous n'étiez pas un peuple. Mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Quand est-ce que c'était arrivé à la croix? Alors ne dites pas que je suis ceci, je suis cela. Apprenez aussi ce que signifie la croix et qu'est-ce qui s'était passé à la croix. Ainsi votre vie chrétienne sera solide. Ne vous empressez pas à dire j'imposerai la main sur les malades et ils seront guéris. Ma sœur, je vois que vous serez très riche. Ceci et cela, vous allez partout. Je veux écouter Dieu. Comment cela Quelle est la fondation de cette prophétie quel est l'objectif de cette prophétie dans votre vie Quelle est la connexion entre cette prophétie et votre futur Nous aimons une fausse religion. Notre vie chrétienne est une vie historique. Elle n'est pas vraie. Voilà pourquoi nous nous empressons pour les bénédictions, la guérison. Nous nous empressons pour le matériel. Toutes ces choses, vous allez les laisser un jour. Voilà pourquoi la Bible dit, qu'est-ce que l'homme va profiter quand il gagne toute la terre, mais il perd son âme Comprenez que vous devez protéger votre âme. Vous devez être prudent avec tout ce qui se passe autour de vous. Ça peut détruire votre âme. Apocalypse 1, verset 6. Apocalypse 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il a fait de nous quoi Un royaume des sacrificateurs pour Dieu, pas ici sur terre. N'allez pas faire la guerre aux sacrificateurs de ce monde. Nous avons affaire à Dieu. C'est lui qui nous a rendu cela. Nous pouvons servir Dieu maintenant en tant que sacrificateur du royaume de Dieu. De Corinthiens 5, verset 20. Je vais vous montrer bientôt pourquoi nous devons bénir Israël. Avec toutes ces bénédictions, ne pouvez-vous pas bénir Israël Je ne vous entends pas. Est-ce qu'on savait tout ceci alors, que lorsque vous saviez Dieu, vous connaissez Dieu, Dieu de qui Vous saviez qu'il y a un Dieu, mais pas la personne de Dieu, l'être de Dieu. Oui 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Dites à votre voisin. Est-ce que le gouvernement de ce pays peut m'envoyer comme ambassadeur sans toutefois me connaître Les gens viennent seulement me dire, voici un ticket pour vous, vous êtes nommé ambassadeur, vous irez dans un tel pays. Moi, je ne sais même pas en quoi est-ce qu'il croient. Qu'est-ce que je vais aller dire Pardon Comment vais-je me présenter Je peux écrire une lettre ici. Ambassadeur Philippe Banda, du gouvernement de mon pays. Personne ne va vous attendre à l'aéroport. Je serai obligé de louer une maison dans ce pays. La presse ne sera pas là, nulle part où on va m'accepter. Et moi je dis que je suis ambassadeur. Voilà pourquoi, quand vous êtes ambassadeur, selon les écritures, Dieu prend le contrôle de tout. Dites à votre voisin. Avez-vous déjà vu un ambassadeur mendier pour payer l'électricité? Les ambassadeurs de ce monde. Pardon? Êtes-vous ici? Avez-vous déjà vu un ambassadeur mendier disant que je représente mon pays mais je n'ai pas quoi manger? Un ambassadeur Lisez encore pour une bonne compréhension. Il y a quelque chose qui nous échappe. Oui. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Pour être un ambassadeur, soyez réconciliés avec... Vous deviendrez ambassadeur et il prendra tout le contrôle. C'est possible que vous ne vous êtes pas encore réconcilié avec Dieu. Nous vous en supplions, c'est ce que Paul dit. Au nom de Christ, soyez réconcilié avec Dieu. Quel est le devoir d'un païen à l'égard des juifs Posez un acte de gentillesse. Montrez aux Juifs un amour pur et inconditionnel. Un amour pur et inconditionnel. Voilà, Matthieu 5, verset 16. Oui. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin qu'il voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. C'est ça. Qu'elle luise dans cette ville, que votre lumière luise. Où que vous soyez, que vos œuvres luisent. Matthieu chapitre 25, versets 35 à 36. Matthieu 25, versets 35 à 36. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Oui. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. La prison. Les gens disent que j'ai un ministère de prison. Afin que Jésus dise que je l'avais visité. Vous pouvez commencer ce ministère. Mais qu'est-ce que qu'il dit, Jésus ne dira pas que j'étais affamé et vous avez eu pitié de moi. Dites à votre voisin, j'avais soif et vous vous êtes inquiété de moi. Je n'avais où dormir et vous avez eu pitié de moi. Tout ça, ça n'a pas de sens. Jésus n'est pas vraiment intéressé à vos ressentiments. Certaines personnes disent qu'elles aiment les juifs, qu'elles les apprécient beaucoup. Jésus veut voir les actions, pas les sentiments. J'aime les juifs, j'aime les juifs, j'aime beaucoup Israël, mais qu'avez-vous fait Qu'est-ce que vous avez fait? J'étais affamé, vous m'avez nourri. Il n'a pas dit que j'étais affamé, vous m'avez regardé et vous avez prié pour moi. Dites à votre voisin. Oui. Posez un acte. C'est ce qui va changer votre vie vis-à-vis -vis des Juifs et de la nation d'Israël. ça ne peut pas se faire. C'est impossible. Mais ce qui a là est normal afin que Dieu montre sa puissance. C'est tout. Lisons les psaumes 133. Verset 1 à 3. Psaume 133. Voici, ô oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe. La barbe descend sur la barbe d'Aaron. Oui, continuez. Sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité dans l'unité. Sommes-nous dans l'unité avec Israël afin de recevoir ce que la Bible dit Être toujours sous l'onction de Dieu, toujours sous la protection de Dieu, toujours sous le soin de Dieu, l'unité, les bénédictions et tout. La paix. Pas la paix parce que vous avez acheté quelque chose. S'il vous plaît, Église, réveillez-vous. Présentement, l'Église est en train d'aller dans une mauvaise direction. Et vous avez la Bible en main. L'Église doit se réveiller. Comment se fait-il que nos frères juifs ont du mal à communiquer avec les chrétiens Parce que ce sont les chrétiens qui les avaient persécutés. Les chrétiens comprennent mal la Bible. Les gens qui nous avaient donné la Bible, les écritures saintes, sont ceux que les chrétiens veulent tuer. Au nom du christianisme, ils ne comprennent rien. Jérusalem n'est pas comme toute autre ville ici sur Terre, pas du tout. Le monde entier tourne autour de Jérusalem. Jusqu'à présent, le monde n'arrive toujours pas à reconnaître que Jérusalem est la capitale d'Israël. Jusqu'à présent, Jérusalem est la ville de Dieu. Psaume 132, verset 13. Oui. Psaume 132, verset 13. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. Où est Sion Qui est Sion C'est Jérusalem. Le Seigneur a choisi Jérusalem. Je ne sais pas où est-ce que vous allez pour trouver les réponses à vos problèmes. Est-ce qu'on a dit qu'il faut débattre Je ne vous entends pas. Psaume 48, versets 2, 3 et 9. Psaume 48, versets 2, 3 et 9. Psaume 48, versets 2 à 3 et versets 9. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional. C'est la ville du grand roi. Verset 9. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu, dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Il a dit à toujours. Qui peut combattre Dieu Dieu le fera quoi Ah Si vous vous associez avec Dieu, vous devez même si cela n'arrive pas dans votre vie. Mais parce que vous vous êtes associé avec Dieu, vous irez au ciel. Jérusalem, c'est là où Abraham avait placé Isaac sur l'autel pour le sacrifier. Saisissez cela. Cet autel est encore là, à Jérusalem. Sacrifier Isaac, c'était pour prouver à Dieu l'amour et la loyauté d'Abraham. Tu m'as tout donné, tout ce que tu me demandes est correct, je veux le sacrifier. Ça c'est un autre... Après des siècles, sur la même montagne, selon la volonté de Dieu, Jésus-Christ avait été sacrifié à la croix pour votre vie et pour ma vie. Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Les gens ont chanté concernant Jérusalem. Comprenez qu'il n'y a pas une autre ville partout au monde pour laquelle les prières sont offertes. Il n'y a pas une autre ville au monde pour laquelle les gens prient à Dieu jour et nuit. Il n'y a pas une onde pour laquelle les gens se sont battus pour laquelle on a composé les chansons. Psalm 137, verset 5. Si je t'oublie, Jérusalem, qu'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, de Jérusalem, le principal sujet de ma joie. Ça, c'était David qui essayait de décrire son engagement absolu à la ville de Jérusalem. C'était le roi David. Le roi David avait dit qu'il était prêt à mourir pour Jérusalem. Et qu'il arrêtera d'être psalmiste si il ne mentionne plus Jérusalem. Toutes les compositions que j'ai faites n'auront plus de sens si je ne mentionne pas Jérusalem. Selon David, s'il ne mentionne pas Jérusalem, sa vie n'a pas de sens. Est-ce le cas avec vous, demanda votre voisin Discutez. Vous êtes chrétien, discutez. Vous pensez que Jérusalem est comme toute autre ville 8, versets 2, 3 et 9. Psaume 48, versets 2 à 3 et versets 9. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges, dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Verset 9 Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu, dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Il a dit à toujours. Qui peut combattre Dieu Dieu le fera quoi À. Si vous vous associez avec Dieu, vous devez. Même si cela n'arrive pas dans votre vie, mais parce que vous vous êtes associé avec Dieu, vous irez au ciel. Jérusalem, c'est là où Abraham avait placé Isaac sur l'autel pour le sacrifier. Saisissez cela. Cet autel est encore là, à Jérusalem. Sacrifier Isaac, c'était pour prouver à Dieu l'amour et la loyauté d'Abraham. Tu m'as tout donné. Tout ce que tu me demandes est correct. Je veux le sacrifier. Ça, c'est un autre. Après des siècles, sur la même montagne, selon la volonté de Dieu, Jésus-Christ avait été sacrifié à la croix pour votre vie et pour ma vie. Jérusalem. 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 Les gens ont chanté. Concernant Jérusalem, comprenez qu'il n'y a pas une autre ville partout au monde pour laquelle les prières sont offertes. Il n'y a pas une autre ville au monde pour laquelle les gens prient à Dieu jour et nuit. Il n'y a pas une onde pour laquelle les gens se sont battus, pour laquelle on a composé les chansons. Psaume 137, verset 5. Si je t'oublie Jérusalem, que blie? que ma langue s'attache à mon palais si je ne me souviens pas de toi de Jérusalem le principal sujet de ma joie ça c'était David qui essayait de décrire absolu à la ville de Jérusalem c'était le roi David le roi David avait dit qu'il était prêt à mourir pour Jérusalem dit qu'il arrêtera d'être psalmiste si il ne mentionne plus Jérusalem toutes les compositions que j'ai faites n'auront plus de sens si je ne mentionne pas Jérusalem. Selon David, s'il ne mentionne pas Jérusalem, sa vie n'a pas de sens. Est-ce le cas avec vous Demanda votre voisin. Discutez. Vous êtes chrétien, discutez. Vous pensez que Jérusalem est comme toute autre ville? Jérusalem est la ville dans laquelle Jésus avait été circoncis le huitième jour. Jérusalem est la ville dans laquelle Jésus avait célébré son treizième anniversaire. Quand il était devenu adulte, selon la tradition juive, à treize ans, Bamizva. Jérusalem s'est eu la Pâque avec ses douze disciples dans la chambre haute. C'est à Jérusalem que Jésus avait été trahi par son disciple Judas. C'est à Jérusalem que Jésus avait été arrêté, jugé et après condamné à cause de la conspiration romaine entre les pharisiens et les sacrificateurs. C'était à Jérusalem. Jésus était crucifié hors des murs de Jérusalem. Il avait été crucifié avec les voleurs pour votre rédemption et la mienne. Crucifié avec les injustes, afin que nous devenions justes. C'est à Jérusalem que Jésus-Christ était mort pour nos péchés. C'est à Jérusalem que Jésus était ressuscité de la tombe. La tombe n'était pas pour lui. Et il était devenu le premier fruit de la résurrection. C'était à Jérusalem. Parce que nous aussi... Ça, c'était concernant Jésus et les Juifs, afin que vous compreniez la connexion, au lieu de vivre seulement dans l'ignorance. Maintenant, regardons Israël, la terre de promesse, la terre de douleur. Dites à votre voisin, Israël, la terre de promesse, la terre de douleur. Genèse chapitre 13, verset 17. Genèse 13 verset 17. Oui. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Car je... Voilà. <laughs> car je fais quoi Y avait-il une discussion à faire avec d'autres nations J'aimerais que vous puissiez bien comprendre. Lisez encore parce que c'est là où il y a la confusion. Quand le propriétaire des royaumes vous donne un héritage qui peut discuter oui genèse 13 verset 17 lève-toi parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur car je te le donnerai le vrai contrat de la propriété entre dieu tout puissant et abraham isaac et jacob est répété plusieurs fois dans la bible le vrai contrat de propriété voisin entre Dieu et Abraham, Isaac et Jacob est ici. Je ne sais pas pourquoi il y a des disputes. Cible. Les frontières, les limites d'Israël sont clairement mentionnées dans le titre de propriété de la terre, ici. Puis-je continuer D'accord, revenons à ce qui se passe maintenant dans le monde. Pourquoi Dieu avait écarté Ismaël de la considération de la terre d'Israël Il l'avait écarté. Il ne faisait pas partie des promesses. Il ne faisait pas partie de l'alliance. Il n'était pas dans le plan de Dieu. Il faisait partie. Du plan d'Abraham et de Sarah. Si Ismaël n'était pas là, tout ce problème n'allait pas exister. Vous comprenez Même dans votre propre vie, les luttes auxquelles vous faites face chaque jour, c'est Ismaël. Isaac est très calme. Je vous dis la vérité. Isaac est toujours. Il a la paix parce qu'il sait que ça lui appartient. Mais Ismaël, présentement, les problèmes auxquels vous faites face, c'est quoi Il veut vous contrôler. Ismaël était officiellement chassé. Il ne faut pas négocier avec Ismaël. Comment Dites à votre voisin. Mais vous, que faites-vous avec lui Comment allez-vous réussir Ismaël ne va pas quitter volontairement là où il y a les promesses. Genèse 17, 18 à 19. C'était ça le premier problème avec notre Père, Abraham. C'est là où ça avait commencé. Genèse 17, versets 18 à 19. Et Abraham dit à Dieu Ô, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit Non Certainement, Sarah ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle. Pour sa postérité après lui. Qu'est-ce que Dieu avait dit concernant Ismaël Qu'est-ce qu'il avait dit Non Vous êtes facilement influencé par vos émotions. Et à cause de vos émotions, vous perdez votre futur. Abraham avait dit Je souhaite que celui-ci soit l'héritier, qu'il hérite toutes les promesses. Dieu dit non. Regardez, comme Dieu avait déjà béni qui Abraham. Il avait dit, à partir de toi, les bénédictions viendront, n'est-ce pas Vous vous souvenez des promesses de Dieu dans Genèse 12 Voilà, parce que Abraham était déjà un homme béni, alors toute sa descendance, voire même Ismaël, sera bénie. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas donné à Ismaël la terre, mais tout de même il l'avait bénie. Vous comprenez Ismaël devait produire douze princes deviendront une nation puissante. C'est ce que Ismaël devait faire. Verset 20. Genèse 17, verset 20. Oui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendra douze princes. Voyez-vous Et je ferai de lui une grande nation. Où que la descendance d'Ismaël se retrouve, il y a de l'huile. Et vous allez y trouver douze régions. Vous comprenez Partout où il y a de l'huile dans le Moyen-Orient, vous trouverez qu'il y a douze princes. Voilà. Genèse 21, verset 10. Ouvrez vos yeux et vous allez voir. Dieu n'avait pas seulement chassé Ismaël, mais il l'avait aussi béni. Seulement, il ne devait pas occuper le territoire destiné à Israël. Il devait partir et il allait être béni. Curieusement maintenant, Ismaël veut le territoire israélite. Et pourtant, il ne fait pas partie. Il ne veut plus son propre territoire. Maintenant, il veut le territoire qui ne lui appartient pas. Vous comprenez Genèse 21, verset 10. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Ismaël et Isaac ne pleurent. Voilà pourquoi Sarah avait dit à Abraham qu'il fallait le chasser. À cause des promesses. Déjà Isaac que nous avons, c'est un miracle. Vous êtes déjà au-delà de 100 ans. Quelqu'un peut avoir un enfant à cet âge Chassez celui-ci qui était né selon vous. Celui qui était né miraculeusement doit rester. Mais l'autre-là doit partir. Vous comprenez? Des fois nous luttons sans comprendre. Si quelques points pour vous montrer que Dieu veut que le peuple juif puisse être en possession de leur terre. Vous pouvez habiter là-bas, mais sans avoir le titre de propriété, parce que cela appartient au peuple juif. Vous pouvez habiter là-bas, mais vous n'aurez pas le titre de propriété. Genèse 12, 1 à 7. Lisez, s'il vous plaît. Genèse 12, versets 1 à 7. L'Éternel dit à Abraham, Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton Père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Allez au verset 7. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Oui. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Ça c'est le premier point. Deuxième point, Genèse 13 verset 14 à 15. Genèse 13, versets 14 à 15. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui Sodome et Gomorrhe, aux environs de la mer morte. Lève les yeux et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Avait-il dit temporairement je ne vous entends pas. Qu'est-ce qu'il avait dit oui. Troisième point, Genèse 15, verset 7 à 10. Genèse 15, 10. L'Éternel lui dit encore, Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir dur en caldé pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderais Et l'Éternel lui dit, Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Voilà. Ce que nous voyons ici, c'est l'alliance. Dans l'alliance, les animaux doivent Abraham était en train de faire une alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, Dieu est plus grand qu'Abraham. Alors, il avait fait dormir Abraham, et Dieu devait passer au milieu des animaux qui étaient coupés en deux. Et c'était une flamme. Voilà pourquoi le territoire israélite est une terre d'alliance, une alliance de sang. Voilà pourquoi on parle de deux morceaux, verset 17 à 21. Verset 17 à 21. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit l'alliance avec Abraham. En ce jour-là, voyez-vous, après la fournaise et la flamme et tout, comprenez que Dieu ne peut pas faire une alliance avec un être humain vis-à-vis. Il devait, en son nom, pour sa gloire, continuer. Et dit Je donne ce pays à ta postérité. Avez-vous entendu cela La descendance de qui D'accord. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de Frat, Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Kadmoniens, des Étiens, des Phérésiens. Des Réfaïmes, des Amoriens, des Cananéens, des Girgassiens et des Jébusiens. Ils t'appartiennent. Voyez-vous Une alliance. Cinquième point. Genèse 25, verset 5 à 6. Genèse 25, verset 5 à 6. Genèse 25, verset 5 à 6. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Voilà. Le changement, une nouvelle génération. Oui. Il fit des dons aux fils de ses concubines et... Voilà. Tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Qu'est-ce qui a fait que Père Abraham, après avoir donné des dons aux enfants de ses concubines, il les avait renvoyés, mais tout le reste, il l'avait donné à Isaac la promesse. Comprenez-vous cela Il devait les renvoyer parce qu'il ne voulait pas que les enfants de ses concubines puissent faire des problèmes à Isaac. Isaac devait être libre. Genèse 26 verset 1 à 6. Genèse 26 verset 1 à 6. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérard. L'Éternel lui apparut et dit Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te donnerai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées. À toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérard. Je te donnerai ce pays. Voyez-vous l'insistance Même s'il n'y a pas de production, n'allez pas ailleurs. Genèse 28, 10 à 13. Écrivez toutes ces références bibliques, parce que si vous ne les écrivez pas, comment allez-vous vous souvenir Vous allez seulement vous souvenir de moi. Écrivez ces références bibliques afin que personne ne vous trompe. Si ce que je dis n'est pas vrai, après avoir lu votre Bible, venez me voir. Prophète, ce verset n'était pas bien interprété. Je vous équipe pour gagner dans la vie. Oui, continuez. Genèse 28, verset 10 à 13. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Caran. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton Père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Oui. Avez-vous encore des arguments Israël appartient aux Juifs. Ils ne viennent pas pour occuper plutôt récupérer ce qui leur appartient. Depuis l'ancien temps, d'ailleurs ils ont même divisé certaines parties du territoire à cause des gens, donnez-nous seulement ceci. Mais si vous suivez le titre de propriété biblique, ça va jusqu'à Iran, là-bas. La limite, c'est le fleuve des Frates. Ils ont dit prenez ceci, prenez cela. Mais on veut leur arracher même les petits territoires qui leur restent. 120 millions de gens qui combattent 8 millions de gens. C'est terrible. Regardons comment ils étaient sortis de l'esclavage. Exode 3, verset 8. Ils étaient pris en captivité. Exode 3, verset 8. Exode 3, verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Il dit que je suis descendu les délivrer et les amener dans le pays de la promesse. Exode 6, 2 à 4. Exode 6, verset 2 à 4. Vous les jeunes, étudiez la Bible afin de corriger les mauvaises informations. Répondez la vérité. Dieu va vous bénir. Mais beaucoup d'entre nous gardent au silence. Oui. Exode 6, verset 2 à 4. Dieu parla encore à Moïse et lui dit. Je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. L'Éternel, c'est un autre nom, oui J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Voilà. Exode 6, versets 6 à 8. Exode 6, versets 6 à 8. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. C'est ça. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Voilà. Lévitique 26, verset 42. Est-ce l'ignorance est en train de partir Je ne vous entends pas. Pouvez-vous voir maintenant le titre de propriété Tout est en ordre. Lisez, s'il vous plaît. Lévitique, verset 42. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac. Et de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Vous comprenez Je me souviendrai du pays. Israël. Nombre 34, verset 2. Nombre 34 verset 2 Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur "Vous dans le pays de Canaan. Ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan, dont voici les limites." Deviendra quoi Votre héritage. Pouvez-vous abandonner votre héritage Et ça, c'est la parole de Dieu. Deutéronome 1 verset 8. Deutéronome 1, verset 8. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Josué 1, verset 2 à 4. Les gens disent que ce territoire appartient à celui-là. Où est le titre de propriété pour ce territoire, je vous ai donné beaucoup de points. Le dernier maintenant, lisez. Josué 1, verset 2 à 4. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Que je donne aux enfants d'Israël. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le propriétaire de tout, il dit que je leur donne ce pays. Moi, Dieu, ce n'est pas négociable. Il n'y a pas à discuter avec d'autres nations. On ne va pas se mettre à table pour discuter concernant ce que je leur donne. Continuez. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. En particulier, avait-il dit de donner à tout le monde C'est donner à qui Aux enfants d'Israël, aux douze tribus d'Israël, à partir d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est ce que Dieu dit. Continuez. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aimez cette déclaration Vous l'aimez. Tout lieu que foulera mon pied, je déclare que ça m'appartient au nom de Jésus. Demandez à votre voisin êtes-vous connecté à Abraham Vous dites Seigneur, c'est écrit dans le livre de Josué que où que mon pied foulera, tu me le donneras. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'il vous a déjà donné? Demande à votre voisin, le pied a foulé partout, qu'avez-vous? Votre pied a foulé dans l'avion, avez-vous un avion? Demande à votre voisin. Seigneur, tu as dit que tout ce que vous touchez vous appartient. Je réclame la maison de mon voisin. Continuez. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de Frate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Voilà, il était en train d'établir les limites. 1 Roi 8, verset 36. 1 Roi 8, verset 36. Exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher. Et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. La terre que tu as donnée comme héritage. Pardonne leur péché et fais venir la pluie. chapitre 16, verset 13 à 18. 1 Chronique 16, verset 13 à 18. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Ses élus. On n'a pas besoin de faire des débats, ses élus. C'est tout. Personne ne peut demander à Dieu pourquoi il les a élus. Si je veux donner ma Bible à cette sœur, je suis libre de le faire. Vous pouvez dire, pourquoi lui avait-il donné Il doit y avoir quelque chose. Quoi Je suis libre de donner à qui je veux. Vous dites qu'il y a quelque chose parce que vos pensées sont impures. Voilà pourquoi vous luttez avec Dieu. Oui L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations. Oui. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi pour Israël en alliance éternelle. Disant Je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. C'est ça Dieu, ça part d'une génération à. Hein? De Chronique, chapitre 6, verset 25. Deux chroniques, 6, verset 25. Oui. Exauce les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël, et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Néhémie 9, verset 15. Néhémie 9, verset 15. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Psaume 105, verset 8 à 11. Psaume 105, verset 8 à 11. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi. Pour Israël en alliance éternelle, disant Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Esaïe chapitre 60, verset 21. Esaïe 60, verset 21. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejetant que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Jérémie chapitre 30 verset 3 Jérémie 30 Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Ézéchiel 36 verset 24 Ézéchiel 36 verset 24 Je vous retirerai d'entre les nations je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays Voilà relisez pour une bonne compréhension Ézéchiel 36 verset 24 Je vous retirerai d'entre les nations je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Il y a beaucoup de mouvements des immigrants en Éthiopie, en Russie, en Turquie et partout ailleurs. Dans les avions, dans les trains, en marchant les autres cours des quatre coins du monde, ils rentrent en Israël. Comment expliquer que les Juifs sont plus persécutés partout au monde? Et maintenant, ils veulent tous rentrer dans leur pays, en Israël. C'est le seul endroit où ils se sentiront libres. C'est le seul endroit où les Juifs se sentiront libres de pratiquer leur religion, de parler dans leur langue, de vivre comme des Juifs, de mener une vie normale comme tout le monde. Mais dans d'autres pays, ils se cachent. C'est seulement en Israël. Voilà pourquoi Dieu avait dit que je vais vous rassembler. Quand un Juif... Atteint un certain âge. Il dit que je rentre dans mon pays. Dans ce pays, il y avait plus de 100 000 juifs. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Le nombre a diminué. Et tout pays que les juifs quittent, ils regressent. C'est historique. Le nombre qui est resté est tout petit pour soutenir ce qui se passe. Oser 2. Osée 2, verset 25. Je planterai pour moi l'orukama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'Oami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Joël 3, verset 2. Joël 3, verset 2. Je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Oui. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple. Au sujet de mon... La vallée des décisions. La vallée de Josaphat. Armageddon. Au sujet de qui Quel peuple le peuple juif, le peuple juif, toutes les nations rendront compte de ce qu'ils ont fait aux juifs. Il est le roi des rois, oui. Je lis. Au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Celui qui a donné le titre de propriété, il connaît les limites les frontières d'Israël, mais d'autres nations sont en train de diviser le pays. Certainement Dieu les jugera. Pourquoi avez-vous divisé le pays de mon peuple C'est un peuple élu, ils sont choisis. Maintenant vous les pressez pour votre propre bien et vous silence. Le temps viendra. Amos chapitre 9, verset 15. Amos 9, verset 15. Oui. Je les planterai dans leur pays. Voilà, applaudissons pour Jésus. Qui les plantera dans leur pays L'Éternel. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Il est en train de les planter. Continuez à lire. Et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. J'aimerais vous dire que personne ne peut déstabiliser Israël. Personne. Dieu l'a dit et personne ne peut s'y opposer. Même si vous avez toutes les armées du monde, sachez que il y a ceux qui avaient essayé avant vous, au temps de Josué. Dieu avait fait tomber les grêlons. Dieu peut créer. Vage sur des nations qui ne le respectent pas. Je vous lance un défi. Toutes les nations peuvent se réunir, mais ina-elle, parce qu'Israël est avec Dieu. Voilà. Vous pouvez faire beaucoup de bruit, mais personne ne peut détruire Israël. Dieu a dit dans le livre d'Amos que personne ne pourra plus les arracher de leur pays. Ils combattent avec leur cœur, avec eux. Voilà pourquoi Israël gagne toujours toute guerre. Parce qu'ils combattent avec un but. S'ils perdent leur pays, où iront-ils Ils ne peuvent pas perdre. Dieu ne rompt jamais son alliance. Jamais. Dieu avait donné aux Juifs un territoire spécifique comme propriété. Ici sur terre. Voici votre pays. Il n'avait pas choisi un autre pays. Il n'avait pas choisi le pôle Nord ou le pôle Sud. Il sait pourquoi il avait choisi Israël. Et il avait dit ça, c'est votre pays pour toujours. Et c'est scellé avec une alliance de sang entre Dieu et Abraham. Nous avons vu ça quand les animaux étaient coupés en la nation d'Israël était née en mai 1948 et aujourd'hui, c'est l'une des nations les plus prospères dans le monde, présentement. Il n'y a pas de fausse politique là-bas, mais pour le bien-être humain. Au niveau spirituel, Israël n'a jamais cessé d'être. Israël. Naturellement, Israël prospère comme très peu de nations dans le monde aujourd'hui. Mais quel est le problème maintenant avec Israël Le pays d'Israël appartient à qui Dieu avait créé le ciel et la terre. Étant le propriétaire du ciel et de la terre, il avait choisi d'avoir une alliance avec Abraham et sa descendance concernant Israël. Les propriétaires de la nation d'Israël sont les Juifs. Et c'est clair devant tout le monde, à moins que vous ne vouliez pas voir. Il avait dit, le pays d'Israël appartiendra à la descendance d'Abraham pour toujours, pour toujours. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il ne promet pas ce qu'il ne peut pas accomplir. Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se répentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré. Ne l'exécutera-t-il pas Voilà. Pourquoi toutes ces luttes Amos 9, 14 à 15 Amos 9, verset 14 à 15 Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ceux qui étaient partis avec moi la première fois en Israël. En ce temps-là, il y avait la guerre. Ce n'était pas développé comme maintenant. Chaque fois que vous allez en Israël, vous trouverez un nouveau développement. Leur politique est basée sur le développement. Même dans les montagnes, il y a toujours un développement. Même au désert, il y a... Ils ne disent pas qu'ils ne peuvent rien faire. Oui Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Est-ce l'homme qui a dit cela Il avait dit que personne ne va plus les arracher. C'est vrai, les armées d'autres nations pensent qu'ils peuvent réussir. Et Dieu, vous êtes créés par Dieu et Dieu sait comment s'occuper de vous. Il le sait. Ézéchiel 36 verset 24 et le verset 28. Ézéchiel 36 verset 24 et 28. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Verset 28. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Voilà. D'où est-ce que nous venons avec toutes ces disputes? Quand Jésus-Christ va revenir en tant que messie des rois, il va s'identifier avec les Juifs. Apocalypse 5, verset 5. Apocalypse 5, verset 5. Je sais que c'est difficile à comprendre, vous qui êtes chrétien, parce que vous êtes habitué à dire Alléluia, gloire au Seigneur, mais dans l'ignorance. Ce que je vous donne ici, c'est une substance, vous devez l'utiliser pour mener une bonne vie chrétienne et vaincre. Beaucoup d'églises ne connaissent pas ces choses. Voilà pourquoi certains d'entre vous sont fatigués, vous n'aimez pas ce que vous entendez. Ce que vous voulez, c'est imposer les mains sur les malades, réclamer ceci et cela. Mais sur base de quoi Voilà pourquoi vous allez ça et là. Votre vie chrétienne ne produit aucun fruit. Vous en avez marre et vous êtes frustré. Vous dites que vous priez. Vous priez à qui À quel Dieu À quel Dieu priez-vous Dieu n'est pas sourd et sa main n'est pas courte pour délivrer ou guérir. Alors qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose. Oui. Apocalypse 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept seaux. Qui est-ce de la tribu de Juda La descendance de David. Qui est-ce D'après vous, vous pensiez qu'il allait revenir de quelle façon il revient bientôt. Je vous ai dit que durant son ministère ici sur terre, Jésus était un rabbi juif. Voilà pourquoi quand il va revenir, dans le livre des Actes 1 verset 11, nous voyons son retour. dites Seigneur reviens. Quand il reviendra comme rabbi, vous dites non, c'est juif exagère vous voulez qu'il revienne comme qui? Oui. Acte 1 verset 11. Et dire Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ça ne va pas changer la manière dont vous l'avez vu partir. Il reviendra de la même manière, un rabbi juif, ah. n'est-ce pas Il y a trop de confusion. Comment va-t-il ainsi et cela Non, 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 non. Selon le témoignage de Paul, Jésus au ciel où il est maintenant, tel que nous avons lu dans Actes 26, 14, il parle l'hébreu. Il parle l'hébreu. Psaume 121, verset 4. Psaume 121, verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Voilà. Vous, vous dites que détruisons Israël. Celui qui garde Israël le sait, c'est-à-dire, il défend. Et il protège. Il ne sommeille ni ne dort. Il voit tous les plans que vous faites contre Israël. Zacharie 2, verset 8. Zacharie 2, verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche touche la prunelle de son œil. Israël est la prunelle de l'œil de Dieu. Quelqu'un peut-il toucher la qui a été créée par l'acte souverain de Dieu Il n'y a pas une autre nation. De Genèse à Apocalypse, il n'y a pas une autre nation qui a été créée par l'acte souverain de Dieu. Genèse 12, verset 3. Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Merci beaucoup.